I want to read Matthew. To open the Bible in the book of Matthew. L'évangile selon Matthieu chapitre 14. Matthew 14. Et nous prendrons le verset 15. Verse 15. Ensemble nous lisons au nom de Jésus. Together we read in the name of Jesus. Est-ce que vous y êtes? Matthieu 14. Matthew 14. Le verset 15. Verse 15. Je lis la parole de Dieu. I read the word of God. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de vivre. Alléluia. Alléluia. Je reprends encore. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est une situation qui s'est passée dans la Bible. This is a situation that was going to the Bible. Le Christ de Dieu se retrouve quelque part. The Christ of God was finding himself. Les disciples nous l'étalent. And the disciples, les disciples qui s'approchèrent de Christ nous présentent la situation. The disciples came to Jesus and Jesus asked them to stop. Ils ont prié le Seigneur. Even the Lord. Les disciples viennent à Jésus. And the disciples came to Jesus. Le Seigneur. They said, Lord, maître, master, le soir est déjà venu. And then the dark is coming. Parce que le soir vient. And because it's getting dark. Aussi l'heure est déjà avancée. And the time has gone. Je sais que frères et sœurs, chacun de nous, I know that brothers and sisters, nous avons des problèmes. We have problems qui nous guettent chaque jour. That trouble us every day. Nous avons des problèmes que nous rencontrons dans la vie. We have problems that we find auxquels nous sommes confrontés. That confront us. Et ces problèmes, and those problems, nous plongent dans le désespoir. But put us in a hopeless situation. Ces problèmes, and those problems, ces situations, ces réalités, this situation, nous poussent à moi. To push us to the time that God has for us. To believe that God has for us. Nous vous imaginez, we tell them, c'est là tout de suite. Que Dieu nous guide de gens. That God is living us. Laissez-moi te dire ce après-midi. Let me tell you this afternoon. Que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, no matter the situation, que je ne connais pas, que je mens, mais laissez-moi te dire, que Jésus ne t'a jamais quitté. And the second, les lieux dans lesquels nous sommes, and the place, the location that they were finding themselves was wilderness. Le troisième, and the third problem, l'heure est déjà passée, and the time was gone. Laisse-moi dire à quelqu'un. Let me tell someone. Le soir, c'est quoi? What is late or the afternoon? C'est quoi le soir? Or the evening? What is the evening? Le soir. Je l'ai également dans la vie de tout un chacun de nous. Generally in everybody's life. C'est traduit comme la période où tout semble être sombre. It's translated as the time that everything is dark. Le soir, c'est quoi? What's the evening? Le soir ici, c'est traduit. The evening here
matin. But the day starts with the morning. La journée commence toujours par le matin. Les corps commencent à décomposer.
as the place that we were in. L'odeur. The smell. And there was even a long with the Galileans that point and the man of Galileans stand and arrive. L'homme de solution, il y vivait son point.